le full face que vous me demandiez le plus tous les jours. Un make-up qu'avec des produits essence à petit prix. J'ai tellement hâte de tester le rouge à lèvres violet bleu. On commence par le fond de teint, c'est le Stay All Day 16 Hours. Celui-là, je le connais déjà, il est vraiment trop bien. Je pense qu'à fond de teint petit prix, c'est mon préféré. Et oui, en ce moment, j'applique tout le temps mon fond de teint à la main. Je sais pas, je préfère. Genre, ça en met partout, mais je trouve que c'est mieux. Mais bien sûr, je finis au Beauty Blender. Ce fond de teint est incroyable, je le sais. Enfin, regardez-moi ça. En noticiant, pour le coup, lui, je l'ai jamais testé. C'est le Multitask Concealer Erase Cover and Care. Une sorte de petit pinceau, comme la touche éclat Yves Saint Laurent. Tourné, et après, t'as le produit qui sort. J'aime bien la texture. Franchement, il est très pratique d'utilisation. Il a l'air pas mal couvrant. Je le laisse un peu poser en attendant. Je vais faire le contouring. Trop pratique pour contourner ses sourcils. Genre, je l'ai fait direct avec ça là. Je vais juste les remplir. Du coup, il y a un autre produit pour les sourcils. C'est une petite brosse mascara comme ça. En plus, ça a l'air d'être matante. Regardez le avant-après. Franchement, ça a 10 sur 10 pour l'instant, essence. Hein. Bon, vu que j'ai fait mes sourcils, j'estompe maintenant l'anti-cerne. Mais waouh, la couvrance. Je suis choquée. On dirait le Huda Beauty.